Brand new street and brand new me. Side by side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that I'm... Mode organisation activé. Avant, vous voyez, par exemple, quand j'ai organisé ma salle de bain, quand j'ai refait le rangement, aussi de la cuisine un petit peu, j'avais mis en mode productif. Mais en fait, je me suis dit que je devrais grave rajouter le mode organisation. Et dans ces vidéos mode organisation, on va vraiment faire que du rangement, que de l'organisation, comme aujourd'hui, puisque aujourd'hui je suis trop contente puisqu'on va réorganiser, redécorer mon bureau. Je trouvais vraiment que c'était hyper adapté à la période actuelle, et pour moi c'est vrai que avoir un beau bureau organisé, avoir une bonne organisation, de la belle déco, ça motive vraiment à travailler. Et là, si vous saviez tout ce que j'ai acheté pour tout réorganiser, parce que mon bureau actuellement est un peu en bazar, je vous avoue, je vais vous montrer juste après. Mais là j'ai vraiment craqué sur des trucs. Je pense que la première étape, c'est déjà de nettoyer le bureau et de tout enlever. Et on va passer un coup de chiffon parce qu'il se peut qu'il y ait un petit peu de poussière. On en parle de ce petit clavier que j'ai acheté là. Oh, il est trop mignon. C'est un clavier en Bluetooth. Vous avez vu mon rangement ici, c'est trop pratique. C'est là que je mets tous mes produits pour le ménage. Et là on va passer, je pense, un coup de... Bon, c'est pour les vitres, mais bon... Non, c'est peut-être pas très bon. On va prendre juste un chiffon, je pense, ça sera mieux. Pour la poussière. Alors du coup, je vais en prendre un là. Ouais, celui-là, je pense, ça ira. Et puis à l'occasion, il faudra aussi que je change cette lampe. Je pense que je pourrais peut-être en prendre une autre. Enfin, en soi, elle est pas moche. Elle est belle quand même, mais... Bon, pour l'instant, je la garde. Je ne vais pas racheter d'eau de toute façon. D'ailleurs, il faudrait que je vois mon ordinateur, si je le laisse au milieu ou si je le déplace sur le côté comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Ça peut être pas mal sur le côté, hein. Parce que comme ça, ça va cacher tous les fils. Mais je pense que ça peut être pas mal. Bon, maintenant que tout est nettoyé, enfin que tout, c'était pas très long, mais bon, fallait quand même le faire. Je vais unboxer avec vous ce que j'ai commandé sur internet et j'ai tellement hâte parce que pour vous dire, tout ce que vous allez voir juste après, ça fait au moins... peut-être plus d'une semaine que ça traîne chez moi et que je vous attendais pour l'ouvrir. Mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Bah, je vous aime trop. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Donc c'est des petits trucs chez Primark pour décorer le bureau. Petites bougies qui sont trop mignonnes dans les tons un peu gris. J'ai aussi pris ces petites bougies carrées. Vous les connaissez déjà parce que je vous en ai déjà partagé dans une vidéo organisation de ma cuisine ou à salle de bain, je ne sais plus. Mais j'ai racheté des petites caisses comme ça qui sont trop mignonnes. Et vous savez quoi? Ça va tellement aller avec un clavier que j'ai commandé sur Amazon que je vais unboxer avec vous juste après. Mais le clavier, vous allez halluciner. Comme je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de dimanche dernier, vous savez, le mode travel en Espagne, j'ai acheté ce petit pot à Stradivarius ici. Je me suis dit que ça pouvait être joli sur un bureau. Il est cute. Oh, mais c'est quoi ça? Il y a un petit ballon dessous. J'ai commandé 3 choses pour le bureau chez AliExpress. Je commande jamais sur ce site pour vous dire. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai besoin de ce genre de choses. Enfin, j'ai besoin. J'avais envie d'avoir ce genre de choses. J'ai commandé, mais j'avoue que je commande pas trop, sinon... Attendez, on va prendre une paire de ciseaux. Alors... Comment montrer que tu réorganises ton bureau? Bah, avec tout ce bazar... Oh mignon! C'est pour mettre le téléphone ou l'iPad, je pense. Je me souviens même pas que j'avais pris ça parce que ça fait longtemps que j'ai reçu ça. Oh, c'est trop mignon! Ensuite. Je me souviens même plus que j'avais pris ça. Waouh! Oh,
pas comment on monte ça. Purée. Sinon, j'espère que ça va pendant qu'on va monter ce truc-là. Que vos vacances se passent bien. Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous êtes actuellement quelque part? Dites-moi en commentaire. Sinon, moi, du coup, comme vous le savez, la semaine dernière, puisque vous l'avez vu dans le mode travel, d'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te mets un petit hit, tu pourras aller voir, mais je vous ai vraiment emmené avec moi en voyage, avec mes parents aussi. C'était trop marrant, trop cool. Et oui, donc moi je suis partie en Espagne. Par contre, fin août, il y aura un autre mode travel à Copenhague. J'y suis allée il y a pas longtemps et je l'avais filmé une vidéo là-bas. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you... Est-ce que vous êtes prêts pour voir ce clavier violet? Oh là là. Il est... trop mignon. Et vous voyez, le truc qui est trop chouette avec ce clavier, c'est qu'en fait, quand vous appuyez sur ces touches ici, tu tapes sur ton ordinateur, t'appuies ici, hop, c'est en Bluetooth avec ton iPad. Enfin, tu changes en fait d'écran en appuyant sur chacune des touches. Et j'ai aussi celui-là. Vous allez me dire, Marie, ça sert à quoi d'avoir deux claviers? Bah en fait, je me dis, selon mes envies, selon ma déco, je peux changer de clavier, vous voyez. Après, celui-là, c'est plus pour l'iPad. Mais on dirait une machine à écrire en plus. Il est tellement cute, celui-ci. Donc, s'il vous plaît, ne me jugez pas en commentaire. Dites plutôt que mes claviers sont trop mignons. Parce que c'est vrai, ils sont trop mignons. Vraiment. Genre, c'est trop... vraiment, le mot mignon, c'est le mot qui va résumer cette vidéo. J'ai aussi tous les stylos-là à ranger, à réorganiser, plus ceux-là. Mais on s'en verra après. Je sais pas trop où je vais les mettre encore. Parce que en fait, regardez, j'ai ce tiroir là où il y a de la place. Donc peut-être que je vais en mettre ici. I don't mind staying up all night. Cause I came to get it right. And I won't leave without a fight. Out in the dark. Nobody came for my rescue. Alors, pour le fonctionnement du clavier, il faut prendre ce petit truc. Vous savez, c'est ce qu'on voit dans les souris des fois. Et en fait, il faut le connecter sur votre ordinateur dans le port USB du coup. Alors, moi, ça doit être par là. Tac. Après, il va falloir l'allumer. Vous avez un bouton on-off ici. C'est écrit sur mon ordinateur, mon iMac. Et après, touche là. Hop, ça clignote et regardez. Et voilà, ça tape sur mon iPad. Si vous deviez en acheter un, c'est vraiment celui-là. C'est Jellycomb, je crois, et voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Vous vous connectez d'un écran à l'autre avec une touche, quoi. Je suis trop happy. Et franchement, j'aime trop ma déco. Je pense que je vais remettre ce petit truc. Oh, là 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 là, mais c'est trop chouette. Attendez, je vous montre quand même le bureau final. Enfin, final. En vrai, ça manque un petit peu d'un truc, je pense. Je sais pas trop quoi. Je pense quelque chose au mur. Ça, je vous le dis, je le ferai peut-être plus tard. Je me pencherai dessus. J'ai encore de la place pour ranger des petits trucs ici, mais franchement... Oh là là, c'est trop mignon. Bon, bah, je crois que j'ai terminé, on va dire, l'organisation de mon bureau. C'est assez simple en soi, vous voyez, mais j'avais pas non plus que ça soit trop chargé parce que déjà, mon bureau, il est pas si grand que ce qu'on peut croire. Il est vraiment... il est pas très grand, donc je voulais pas non plus que ça soit trop chargé parce que voilà, si je veux poser les trucs des fois, ça va être embêtant après. Mais je vous cache pas que peut-être qu'au fil du temps, je rajouterai des nouvelles choses. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous attendrai, je le ferai avec vous. Mais pour l'instant, ça me convient et après, je verrai au fil de ce que je trouve dans les magasins, tout ça, tout ça. Est-ce que vous aimez? Dites-moi en commentaire du coup ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il manque quelque chose? Je pense qu'il manque quelque chose au mur, mais je vais attendre de trouver vraiment les bonnes images, enfin vraiment savoir ce que je voudrais accrocher au mur avant de le faire. Je me suis pas trop penchée dessus. Je vous avoue, je me suis plus penchée sur ce qui était rangement, organisation, matériel, mais pas tout ce qui était pour le mur. Du coup, au final, j'ai pas utilisé ça
que j'avais acheté. Bon, je pense que je trouverai bien une autre utilité plus tard. Ça, du coup, il y avait mes crayons dedans que j'ai changé. Ça, du coup, bah, je ne l'ai pas remis non plus, cette petite plante, mais bon. Ce petit pot, je ne l'ai pas utilisé non plus. Et après, bah, tout ce qu'il y a ici, je n'ai pas remis parce que c'est pas trop la déco adéquate, je trouve. Et mon petit cadre, là, je ne l'ai pas remis non plus. Mais j'avoue, je sais pas le mettre, faudrait mettre au mur. Mais bon, il est lourd quand même. Faut que je trouve une autre place à celui-là. Et du coup, ces deux petites bougies, je les ai pas mises non plus. En vrai, c'est toujours comme ça quand je veux changer l'organisation ou la déco de quelque chose. J'achète toujours trop. Et en fait, après, je me retrouve à pas tout mettre. Mais bon, c'est pas grave, je trouverai bien d'autres endroits si je changeais la déco. Enfin, voilà. Je viens de trouver une super idée de l'endroit où je vais mettre ce truc. Vous allez rigoler, mais faut mêler l'utile à l'agréable. Hein. Faut juste que je modifie le sens des photos, parce que ça ne rentre pas là où je veux y mettre. J'aime trop faire ce genre de choses avec vous, je sais pas, ça me motive. Quand je lis vos commentaires, vos retours par rapport à cette série de vidéos, ça me fait toujours trop plaisir parce que bah, vous me dites que je vous motive aussi à arranger votre chambre, votre appart. Je trouve que l'organisation, la décoration, c'est tellement important pour se motiver. Tu rentres chez toi, tu te sens trop bien, enfin c'est trop important. Ce qu'il faut, c'est en fait avoir une organisation qui te plaît et avoir un... Oh, elle est pas très belle cette photo, elle est un peu ratée. Et avoir ouais, une déco qui te plaît dans laquelle tu te sens bien quoi. Vous êtes prêts? Une fois hein. A votre avis c'est quoi cet endroit? Mes toilettes. C'est pas mal. Ouais, j'ai enlevé la carte postale Starbucks, je la mettrai ailleurs. Mais voilà, regardez, j'ai un petit bac comme ça où je mets mes petits parfums. Enfin mes petits parfums, vous avez compris. Et puis là, il y a ça et ma petite plante. Alors, je vais ranger ça ici. C'est trop pratique ces poufs là, on peut ranger plein de trucs. Et oui, regardez, j'ai encore des petites caisses là d'organisation. Mais je suis ce genre de fille qui adore l'organisation. Donc elle achète plein de trucs pour organiser. Sauf qu'au bout d'un moment, je ne sais pas quoi ranger dedans. Voilà. Regardez aussi ce clavier comme il est trop beau. Comme ça je pourrais changer selon mes envies. Bon en fait celui-là il est un peu moins pratique parce que je crois qu'il n'y a pas de bouton on off. Du coup à chaque fois j'enlève les piles. Mais il est trop mignon. Le plus est là. Le moins ici. Tac. Et celui-là de clavier je l'ai acheté sur Amazon pareil. Mais il est trop mignon. Ah bah regardez, ça se connecte. Donc je peux laisser l'iPad sur le petit chevalet. Ou alors je peux décider de prendre l'iPad et le mettre ici. Bon, par contre avec les ongles, c'est pas très pratique. Mais là, filmer, bah c'était la vidéo du jour. Et voilà, c'est trop beau. Bon après celui-là, il est moins pratique parce que c'est pas un AZERTY, c'est un QWERTY. Alors que l'autre, c'est un AZERTY. Et puis il y a des touches qui sont pas adaptées à l'iPad, vous voyez. Parce que là, il y a une touche Windows par exemple. Mais bon, il est trop mignon, ça fait comme une machine à écrire, c'est trop beau, donc bon. Avant de terminer ce mode organisation, qui j'espère vous a plu, hâte d'avoir vos retours en commentaire comme d'habitude, je voudrais ranger avec vous, puisqu'on est dans le thème, on est dans le mode, tous mes achats que j'ai fait en Espagne. Si vous avez vu la vidéo, le mode travel de dimanche dernier, vous savez parce que je vous ai fait un gros haul dedans. Mais il faudrait que je range tout ça. Quand je prends soin de ma peau, je me sens trop bien. Hop là. J'ai jamais testé les pinceaux Real Technique. Apparemment, ils sont trop bien. Il y a même une éponge. Ça, c'est chouette, ça. Vraiment les pinceaux que j'utilise. Que la poudre et le blush. L'highlighter aussi. En plus, ils étaient tellement pas chers. Là, je vais inverser les rangements parce que j'ai pas mal de produits et là, il n'y a plus de place. Donc, en fait, là, ça va être toute la réserve pour le skincare. Non, mais cette vidéo de bureau se transforme en rangement de salle de bain. Ça ne va pas, ça ne va pas. Faudra que je fasse le tri de mes produits un jour parce que j'ai quelques petits produits que je pense que j'utiliserai pas. Le truc qui est chouette, c'est qu'avec, bah, du coup, mon métier sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de produits. Donc je les teste, j'ai la routine pendant voilà, deux mois, trois mois, mais des fois il reste encore des produits dedans. Donc en fait je finis pas les produits, c'est ça qui est dommage. Du coup dans ce bac on va dire que c'est tous les produits pour le visage en termes de nettoyage. C'est un peu dur de s'organiser quand même parce qu'il y a tellement de trucs. Hop. Il faudra trop que je teste ça aussi, le gelé démaquillant de chez La Rosée. Le gel main, on va le mettre ici.
Bon bah écoutez, je pense que ce mode organisation est terminé. C'était vraiment de l'organisation mais de A à Z parce qu'on a fait mon bureau, mais on a aussi rangé quand même mes produits que j'ai achetés il n'y a pas longtemps en Espagne. Mais du coup j'espère vraiment vraiment que vous avez passé un bon moment devant ma vidéo et je suis tellement contente du coup bah durant ce mois d'août de vous proposer autant de vidéos. C'est vrai que moi je suis habituée à vous proposer une vidéo par semaine et là il y en a deux. Le mercredi c'est retour au taf et le dimanche c'est les vidéos iMood, enfin je les appelle comme ça mais c'est pour moi m'organiser, mais en gros voilà vous avez compris, sur les modes de l'iPhone. Et je vous dis du coup bah mercredi pour une prochaine vidéo. Bon dimanche ou bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Voilà, bisous.